les scooters mini dont je vous parlais. Là, on fait un petit tour en vrai. Attends, pousse-toi, voilà. C'est marrant, on dirait un peu un batracien. Mais les roues carénées, c'est un mélange, tu vois, ultra moderne sur les roues. Et le reste, l'enveloppe est vachement vintage. Ah ouais, il y a beaucoup de mélange. Moi, je trouve ça trop chargé, mais... Les deux sont roses, regarde, les deux sont roses. C'est vachement bon. Bon, la sellerie très travaillée, donc c'est l'idée. Le compteur, t'as vu, ils reprennent un peu de façon... Tu pourras mettre ton iPhone. Et dans le nouveau Tron, il n'y a pas des trucs un peu... Non, c'est Tron, visuellement, c'est beaucoup plus proche du Smart. Je préfère cette finition là. Un ensemble qui est plus cohérent à mon avis. Enfin, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Deux petits rangements. Des grands rétro. Bien. Bah écoute, super. Voilà le scooter Smart après le scooter mini qui lui semble plus abouti. Vous voyez, les petits repose-pieds télescopiques, il y a même un airbag, je vois. Comme ça. Le feu est très bien designé. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble un peu au petit robot de Wally, là, mais je le trouve plus moderne, j'en ai marre. Ouais. Je trouve que c'est...